voici le tout nouveau domicile de la famille Carrasco. Un autobus entièrement réaménagé. Bienvenue à bord. Donc là, on a l'espace salle à manger, l'espace cuisine, et puis ici, on a tout l'espace salon. Donc ici, on a la chambre parentale, donc avec tout le confort qu'il faut. Une petite maison pour un grand voyage. Laura, Olivier et Marley se préparent pour un mini tour du monde. Le but, c'est d'aller le plus loin possible, quand même, voilà, dans un premier temps. Si on arrive à faire Europe, Asie, déjà, ça sera bien. Voilà. On sera déjà content d'avoir fait tout ce chemin-là. Après, pour traverser les océans, on verra. Pour tout ce qui est Europe, en tout cas, notre projet, c'était 5 ans. Et après, après Europe, il n'y a pas de... Voilà. On verra. C'est un voyage sans retour. Sans retour. Ouais. Un voyage comme un nouveau destin. Ce couple de Niortais a tout vendu. Maison, entreprise, voiture, pour un changement de vie radical. On a revu les priorités différemment. Quoi, voilà. C'est revoir le mode de consommation, revoir la manière de vivre tout simplement. Se laisser le temps d'apprécier le temps justement et pas courir partout. Une nouvelle vie dans 30 mètres carrés qui nécessite aussi quelques adaptations. Il ne faut rien laisser traîner parce que c'est plus petit, donc du coup, il faut tout de suite tout ranger. On a divisé par 7 donc, notre consommation d'eau par rapport à une maison. Et du coup, c'est vrai que quand l'eau est à volonté, on ne s'en rend pas compte. Et quand c'est limité, on fait beaucoup plus attention. Côté mécanique, ce bus de 30 ans d'âge a encore de belles ressources. Normalement, ça peut encore faire 1 million de kilomètres sans problème. Voilà. On a encore quelques petits frais à prévoir dessus, mais ça devrait le faire. Pour le moment, seul Olivier est habilité à le conduire. Laura, elle, est en formation pour l'obtention du permis poids lourd.